Cause baby like j'ai reçu mon colis Amazon. On va l'ouvrir ensemble et vous allez découvrir ce que j'ai acheté. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. On va ouvrir ça ensemble. J'aurais pu faire un unboxing style ASMR. Je sais que ça peut plaire. Mais en vrai, on n'a pas le temps. J'arrive pas à réaliser. Regardez ce que j'ai acheté. Vous allez voir, moi j'ai zéro patience. Donc voilà. Donc déjà, pour vous dire, donc moi là je filme avec ma caméra EOS 77D Canon avec un objectif de 10 à 18 mm Canon classique aussi. Oh quelle horreur. Canon classique aussi. Sur cette caméra, vous voyez, je peux. Là je suis au maximum grand angle et je peux être en classique. Voilà, mais moi j'aime bien le grand angle parce qu'en fait vous êtes super près de moi, vous voyez, vous n'avez pas l'impression. Donc je suis trop contente, regardez comme elle est belle. Oh, les gars, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. J'ai pris le pack créateur parce que bah, j'avais besoin du micro. Et le micro, je crois qu'il coûtait 300 euros. Et ça m'embêtait en fait de rajouter 300 euros plus tard. Jolie petite trousse. Oh là 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 là. Vous comprenez pas comment je suis trop contente. Et là, qu'est-ce qu'on a dedans? On a aussi une petite boîte, je sais pas ce qu'il y a dedans. D'autres embouches. Ah, la coque. Même si je vais pas pouvoir l'utiliser tout de suite parce que bah, il faut que j'aille acheter une carte mémoire. Mais je crois que je vais avoir quelque chose pour ça. J'ai une mini comme ça. Je vais essayer de la tenter, de la faire marcher. Elle est de 8 Go. Donc je vais mettre ça là. On va prendre ça avec nous. Et on va aller tester ça tout de suite. Je suis trop pressée. Hello donc. Voilà, ça y est, je l'ai ouverte. Je l'ai. Là on est en train d'utiliser. Et réellement, j'espère que la qualité est bien. J'ai pas encore bien vu exactement parce que bah j'ai pas pu checker avec mon PC encore. Enfin j'ai checké une ou deux vidéos mais vraiment j'ai pas vraiment bien vu correctement. Donc elle est là. Il y a plein de petits trucs encore que je n'ai pas ouvert. Là ce que j'ai bien de mettre juste c'est le petit embout en plus pour pouvoir y mettre le trépied. Là on est sur est-ce que, attendez, parce que comment on fait déjà pour... Enfin comment on fait déjà, je sais même pas comment elle fonctionne. Ah putain la qualité. Donc j'ai cet embout là, ça je crois que c'est la batterie. Ouais c'est la batterie. Oh j'ai mal. Là on est sur la batterie externe qu'on peut rajouter à la caméra pour voilà en cas où. Ça c'est bien parce que moi j'ai toujours des problèmes de batterie, où j'ai toujours pas assez de batterie pour ma caméra. Ça, donc ça si je me trompe pas c'est la petite j'allais dire lentille, mais oui, c'est un objectif. Petit objectif, petite lentille. On va tester ça. Donc là, on est en normal. Et moi, je trouve, vous voyez, pourtant, je vous êtes vraiment posé juste sur mon lit. Hein. Vous êtes à, allez, je vais dire 30-40 cm de moi. On va tester, voir ce que ça donne. Vous voyez, ça fait quand même incurvé sur les côtés. Mais est-ce qu'on voit une différence? Je le vois en tout cas avec mon lit, parce que là, vous voyez mon lit. Et est-ce que vous le voyez après? Hop là. Ah ouais quand même, ça fait quand même une sacrée différence. Hein. C'est pas mal pour vlogger parce que vous voyez là elle est dans mon bras. Ça peut être pas mal. Mais en vrai, moi. Attendez, parce que c'est compliqué à retirer. Ah, je veux pas esquinter le. Ah la différence. Ah, reviens. Oh, je suis trop fan. Donc ça, je vais le mettre dans son petit pochon parce que dans la petite caisse comme ça, vous avez de quoi. Oh, heureusement que c'est... Et vous... Moi, il faut pas que je m'achète des trucs luxueux, vous voyez. Il y a de quoi voilà, le poser au fond. C'est aimanté. Le petit micro. Ça, par contre, ça va changer ma life. Avec... En plus, regardez comme ce truc qui cache. Pour qu'il va sur le micro. Donc, comment il... Là, je suppose. Oh. C'est trop joli. Alors, comment ça fonctionne? Il faut que je l'allume... Il faut que j'appuie longtemps. Ah. Vous m'entendez ou pas? Non, je sais pas si ça... Faut que j'associe, je crois.
Je vais le mettre là. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez assez fort? J'ai pas envie de parler trop fort parce que j'ai peur que ça... Après, si je parle comme ça, là, c'est comme je parle d'habitude, hein. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on voit... Il y a une petite jauge juste en haut de l'écran. Donc, pour les caméras, avant que j'achète celle-là, pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter des caméras tout le temps, et des chères surtout, j'utilisais mon... Je vais vous montrer sans la coque. Donc, j'utilisais ce téléphone-là. Donc, on est sur le flip. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien avec ce téléphone, c'est, vous voyez, le mode caméra, comme ça, devant. Et c'est comme ça, en fait, que je me filmais la plupart du temps. Donc, en fait, dès que je vous dis que je suis dehors et que je suis en train de filmer, c'est soit je filmais devant, avec la caméra devant, soit je filmais avec cette caméra derrière. Et ensuite, pour tout ce qui est vidéo classique, donc par exemple, pour le début de cette vidéo-là, c'est bien parce que je peux parler même quand je suis pas en face de la caméra. Voici mon petit setup que j'avais pour YouTube. Donc, en fait, c'est cette caméra-là. Avec cet objectif, donc l'objectif, comme je vous disais, je vous ai jamais dit, c'est le 10-18 mm de la marque Canon. Et la caméra, vous voyez, elle a le petit écran qui se tourne comme ça, classique. Et ça, je l'avais acheté, je sais plus où, je crois, Jiffy ou un truc comme ça, ou Action, je sais plus. Ça venait dans un kit et en fait, vous avez juste à le dévisser comme ça. Et en fait, ça se met à la place du flash, vous voyez, hop. Et on le revisse. Et réellement, regardez. Ça a quand même une puissance de lumière plutôt pas mal. Et ça marche à pile. Donc, c'est pas non plus la mort. Vous pouvez augmenter la lumière et descendre la lumière derrière. Et ça, ça m'aide... enfin, en tout cas, la caméra, j'aime beaucoup. Niveau qualité, je sais pas du tout quel mégapixel ça a. Mais écoutez, j'en suis très contente. Après, comme vous voyez, c'est une grosse caméra. Donc, je peux pas l'emmener partout. C'est pour ça que j'ai pris cette petite caméra-là. Donc voilà. Ensuite, il y a un petit câble comme ça, donc je suppose pour recharger la caméra. Et on a un aimant comme ça. Donc ça, cet aimant, j'ai vu une fille l'utiliser et il est hyper costaud. Donc ça, ça se met sur le micro. C'est si jamais vous ne le voulez pas ici, mais vous le voulez, vous voyez, à l'intérieur d'un vêtement, je pense. Vous mettez ça derrière et vous mettez le micro et en fait, ça vient coller. Mais ça colle énormément. Donc je ne vous conseille pas de le mettre directement sur le micro apparemment, ça... C'est très fort. Ensuite, on a cette petite sangle que j'utiliserai beaucoup, que je vais mettre sur ma caméra pour éviter que je la fasse tomber, parce qu'elle coûte cher. Et donc, il y a ça. Et il y avait un autre truc que j'ai vu la fille prendre. Et elle disait que c'était dans le petit boîtier. Je sais pas où c'est. Aussi, donc j'ai pris une carte SD pour ma caméra. Alors, je pense que c'était pas la bonne, donc j'ai pris moi ça. Vous voyez, donc on est sur du 128 Go. Je voulais prendre 256, mais c'était trop cher. Et là, je suis sur un speed, donc la vitesse 100 Mbps. Donc en fait, quand je la mets sur ma caméra, ça me met que la carte SD est trop lente. Donc, voilà. Et donc ensuite, quand j'ai fait le petit guide qu'il fallait faire sûrement au début... Peut-être que je regarde la caméra. Quand j'ai fait le guide qu'il fallait faire au tout début de l'installation de cette caméra... Ça m'a mis qu'il fallait une carte micro SD UHS U3 qui est recommandée. Donc si jamais vous voulez prendre cette caméra et que vous voulez chercher une carte mémoire ou que vous avez des problèmes de carte mémoire, voilà la carte mémoire qu'il vous faut apparemment. Bah écoutez, j'investirai dedans. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente de cette caméra. On est d'accord qu'on est sur une qualité de ouf. Surtout au niveau luminosité, vous avez vu la différence. Là, vous avez... Regardez, je vais éteindre ma petite lumière. Voilà, luminosité qu'on se tape avec cette caméra alors que j'ai juste ma petite fenêtre que vous connaissez maintenant qui est minuscule. Voilà. Alors qu'avant, avec ma grosse caméra, j'étais obligée d'avoir la lampe d'allumer. Et je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, j'ai pas envie de faire tomber ma caméra. Voilà. Juste là-bas, j'ai un miroir avec des lumières autour que j'étais obligée d'allumer aussi. Et comme vous pouvez voir dans mes anciennes vidéos quand même, la luminosité est pas top. Donc là, je suis très contente parce que c'est-à-dire que je vais pouvoir filmer des vidéos pas mal avec une très bonne luminosité et quand même une qualité sympathique. Par contre, il y a un truc que j'aimerais bien tester, c'est que je sais qu'il y a des filtres. Mais alors, comment qu'on fait? Bon, je viens de tester et au final, c'est vraiment pas top. Enfin, je pense que c'est si on veut modifier la couleur du paysage. Enfin, vous voyez, si on fait des... Si au niveau du montage de la vidéo, on modifie les couleurs et tout, c'est vraiment très soft niveau couleur. Donc je pense que ça peut vraiment aider. Moi par contre, voilà, je ne modifie pas encore les couleurs, j'en suis pas encore là.
Mais ouais, franchement, je suis trop contente. Enfin, bref, la petite lumière, ça fait un petit effet chaleureux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aurais bien voulu l'emmener un petit peu et faire des tests, mais je pense qu'on peut peut-être faire ça. En tout cas, sachez que dans mes prochaines vidéos, après cette vidéo, alors pas, je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, dimanche, je crois. Donc, pas cette semaine, du moment où je filme, parce qu'aujourd'hui on est le 6, mais à partir de la semaine prochaine, je filmerai mes vidéos avec cette caméra. Sauf si vraiment j'ai envie de filmer avec l'autre, mais vous verrez une différence de qualité. Donc, sachez que si la qualité est extraordinaire, ça sera cette vidéo. Et surtout pour tous les vlogs, ça sera cette vidéo. Dès que je sors dehors, ça sera cette caméra, je veux dire. En tout cas, j'espère que le micro fonctionne très bien. Ça m'embêterait beaucoup que ça ne marche, ça ne marche pas. Mais sachez que je suis trop heureuse. Un focus de ouf. Bon allez, je vous laisse. Un bye. Le mode 4K, parce que tout à l'heure je filmais en 2K. Mais là je suis en mode 4K. Je ne vois pas de différence, l'écran est trop petit pour que je sache. Mais je pense, et j'espère. En vrai, je suis trop pressée de monter la vidéo. Déjà que j'adore le montage, mais alors, quand la qualité est ouf, je suis pressée de monter. Donc j'espère en vrai que je ne vous dis pas genre en mode genre la qualité est ouf et au final c'est nul. Est-ce que vous êtes focus sur moi? Oui. Donc ouais. Mais voilà, si je vous porterai pour les vlogs, ce sera à ce niveau-là. Oh, trop pressé, trop pressé. Donc oui, 4K, ça donne ça. Et oui, en plus, ce qui est bien, c'est que même si j'approche très près, je trouve qu'il n'y a pas de déformation par rapport au téléphone. Mais si vous voulez voir la qualité, je ne sais pas si ça apporte vraiment. Thank you.